Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui on est dans le sud de la France. Alors comme vous pouvez voir, il fait gris, il pleut, c'est un temps parisien. Et un temps parisien pour découvrir quoi? Cette nouvelle génération de 3008. Et cette petite version n'est pas n'importe laquelle, c'est la version électrique. C'est la version de lancement de cette 3008 électrique, la i3008. Alors, commençons de suite par tout ce qui est technique, car au lancement, vous n'aurez le droit qu'à une seule version de cette 3008 électrique. Elle dispose d'une batterie de 72 kWh, d'un moteur avant de 210 chevaux, et le tout est normé avec une autonomie WLTP de 527 km de mémoire. Sachez que dans un an, vous aurez le droit à une version 4 motrices de 320 chevaux et une version grande autonomie avec une batterie de 98 kWh qui devrait lui permettre d'atteindre, toujours avec cette fameuse norme WLTP, environ 700 km. Après la technique, il est temps de passer donc au style. Le plus fulgurant dans cette nouvelle génération de 3008, c'est que ce soit la version électrique ou thermique, il n'y aura pas de différence sur la face avant. Elles auront toutes cette fameuse grille de calandre progressive du plus bel effet. Vous partez là par des petits points et plus vous arrivez sur le côté de la calandre, et donc plus ça se confond avec la calandre. La signature lumineuse, elle devient maintenant typique avec les trois griffes du lion. Évidemment, le centre, vous avez le droit au nouveau logo de Peugeot qui devient un blason. Et tout ça est surmonté par une bande là, noire, avec le petit acronyme, donc 3008, pour affirmer que c'est bien le SUV compact de la firme. Mais pour moi, le plus beau au niveau du style, là où ils ont vraiment réussi, c'est cette partie arrière. La poupe est vraiment galbée, gonflée. Moi j'adore là le petit stri que vous avez entre les optiques arrière, là, les feux, avec les trois griffes en signature. Mais comme vous pouvez voir, c'est galbé, c'est joli, c'est vraiment musculeux. Là on a vraiment une interprétation musculeuse de cette poupe et c'est vraiment du plus bel effet. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler de ce profil qui lui aussi marche vraiment très très bien. Ça lui donne un côté vraiment sportif avec cette ceinture de caisse assez élevée, des belles grosses jantes. Vous avez là toute la partie noire inférieure qui est dans cette version GT en glossy, qui affine ses traits tout en lui donnant du muscle. Et vous avez vraiment ce long capot, un peu comme une BM, qui projette l'habitacle vers l'arrière. Et évidemment, ce qui fait la différence entre les trois générations de 3008, c'est cette ligne de toit qui devient maintenant plongeante. C'est vraiment très élégant, ça lui donne vraiment un côté sportif. Et d'ailleurs, Peugeot ne veut pas qu'on appelle son 3008 comme un SUV coupé. Il préfère dénommer cela comme un SUV fastback. Et je suis d'accord avec eux, parce que déjà c'est galvaudé le terme de coupé, hein, il n'a pas trois portes. Et c'est juste une ligne donc sportive, donc en effet le terme fastback lui convient parfaitement. Allez, moi je ne peux pas terminer le style sans vous parler de la petite gourmandise, le blason logo sur l'aile. Toutes les versions GT ont ça de série, donc pas sur la série Allure, et ça ressemble vraiment à un petit clin d'œil à Ferrari. Non, c'est vraiment plutôt sympa. Bon, la 3008 vit aussi de l'intérieur et c'est même peut-être l'un des facteurs d'achat qui est indéniable. Pourquoi? Parce qu'on est dans un univers qui n'a rien à voir avec le reste de la production
mondiale, je dirais même. Peugeot a été encore une fois plus loin que les autres générations avec ce e-cockpit enveloppant du plus bel effet. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bon, on retrouve évidemment un petit volant avec des compteurs au niveau supérieur, donc qui permettent d'avoir une vision tête haute. Mais c'est surtout voilà, la qualité de fabrication de tout l'ensemble et l'ergonomie qui a énormément changé. Donc on a le droit à un nouveau volant. On a le droit donc à cette dalle totale. Ici, dans notre finition GT, il n'y a pas de rupture. C'est vraiment un écran full, incurvé. L'ensemble fait 22 pouces de diagonale. Et donc vous avez la partie donc instrumentation qui est donc devant vous et la partie multimédia qui se retrouve donc sur le côté. C'est tout simple, tout est tactile. L'ergonomie est plutôt assez bonne. En sachant un petit bémol, je trouve que le GPS est un peu lent, un peu mou et on ne peut pas vraiment zoomer comme on veut. Donc ça, c'est vraiment à revoir. Bien que la plupart du temps, comme moi, vous allez utiliser Apple CarPlay ou Android Auto, puisque vous avez toutes vos fonctions, donc tout fonctionnera mieux. Mais sachez que le GPS est équipé aujourd'hui d'un route planeur, donc il vous permet de prévoir vos arrêts. Par exemple, vous voulez aller de Paris à Marseille, donc il va prévoir les arrêts avec les autoroutes, le nombre de charges, le temps qu'il faut passer dedans, donc un peu comme le fait aujourd'hui Tesla. Donc c'est super intéressant. Donc je vous parlais d'ergonomie, donc ça c'est vraiment voilà, très bien. Sachez que ici vous pouvez configurer l'ensemble avec des applications comme vous le voulez. C'est vraiment ça par contre très 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 intelligent. Et vous avez également les fameux toggles, les raccourcis. Donc, par exemple, imaginez, vous appelez votre femme en permanence, et ben vous pouvez même configurer un bouton appel maman. Voilà. Et ça, la grande nouveauté, c'est que maintenant, vous pouvez en avoir beaucoup plus que sur, par exemple, une 308. Question qualité de fabrication, bah, pas grand-chose à redire, à part que c'est excellent, mais le dessin, surtout, de l'ensemble est juste fabuleux. Regardez-moi ça, c'est une grande beauté. C'est vraiment le plus bel intérieur d'une auto aujourd'hui, d'une auto moderne. C'est vraiment superbe. Tout en sachant, tout de même, qu'il y a deux trois plastiques qui sont de mauvaise qualité. C'est ceux qui sont positionnés ici. Et cette chose-là que je ne comprends toujours pas à quoi elle sert, puisque vous avez le chargeur de téléphone action là et vous avez une sorte de creux mais qui est pas creux et c'est en même temps une grosse boîte de rangement voilà vous pouvez si vous posez vos téléphones ici il va glisser donc ça n'a pas de sens en réalité donc je comprends pas trop cette partie-là. Bon voilà, les sièges sont vraiment élégants, ils sont bien finis, ils maintiennent bien, donc non, vraiment on est vraiment vraiment bien dans cette auto et l'intérieur fait vraiment partie, comme je vous disais, des facteurs d'achat. Dès que vous allez rentrer dedans, vous allez tomber forcément amoureux de cette 3008, en tout cas de son intérieur. Alors, l'espace intérieur, on a fait le point. Maintenant, il y a aussi un facteur très important dans un SUV compact, c'est c'est évidemment son coffre, puisqu'on a une petite famille. Donc, sachez qu'ici, on est sur 520 litres. C'est plutôt dans la bonne moyenne du segment, donc largement assez pour une petite famille de 3 à 4 personnes. On est vraiment bien et c'est pareil une fois, bien fini. Vous avez de quoi placer votre câble en dessous. Ce qui veut dire que vous n'avez pas de frunk. Malheureusement, c'est le défaut de beaucoup d'électriques qui ne suivent pas Tesla. Mais sinon, 520 litres, c'est ultra raisonnable. Venez à l'arrière. Parce que si j'ai parlé des places avant, sachez que à l'arrière, on est aussi plutôt pas mal. Regardez, 1,80 m devant, 1,80 m derrière. Et pas de problème de toit, surtout. Du fait que le côté plongeant du hayon est derrière ma tête, pas de problème. Et même l'ouverture,
C'est une ouverture voilà, bien carrée, bien classique. Vous avez vu, on est plutôt bien. Donc, par exemple, pour mettre un siège bébé, je pense que ça va bien se passer. Donc, vraiment, SUV de look sportif, mais intérieur design, mais mieux que dans un lounge. Et vous avez beaucoup d'espace. Bon, maintenant, il faut savoir ce que ça vaut sur la route. Bon, ça fait à peu près 300 km qu'on est à bord de cette donc nouvelle 3008 version électrique. De quoi vous donner nos premières impressions de conduite. D'une, là, puisqu'on est en ville, sachez que Peugeot a choisi de nous faire un SUV sportif mais confortable. C'est-à-dire que ça reste ferme. Mais ça absorbe quand même toutes les aspérités du macadam, donc tous les trous, les nid de poule sont plutôt assez bien amortis. Vous voyez, là, on est en train de passer sur des petits raccordements et ça se ressent à peine au volant et ça se ressent même pas du tout dans le siège. Donc, plutôt pas mal. Autre chose qui est plutôt super bien pour la ville, c'est son rayon de braquage. Elle a le meilleur rayon de braquage de sa catégorie. Alors, je ne sais plus exactement, c'est 10 mètres, 10 mètres 5 ou 10 mètres 4, je vous créerai ça sur la vidéo, parce qu'il faut que je retrouve. Mais en tout cas, sachez que c'est le meilleur rayon de braquage et ça se ressent vraiment au volant. Ça braque vraiment très bien et c'est très facile de faire des demi-tours avec. Concernant les routes de montagne qu'on a pu faire dans l'école du sud de la France, eh bien, sachez qu'on a toujours le fameux toucher Peugeot, quand même. Malgré le surplus de plus de 500 kg dû au fait de la batterie, puisqu'on est quand même sur un engin de 2 tonnes 100, c'est colossal. Mais voilà, les ingénieurs savent faire les choses. Donc, on est vraiment sur un véhicule qui adhère, qui accroche. Ce n'est jamais mis en défaut avec la puissance. Non, c'est vraiment très, très efficace. Tout en restant confortable. Donc il y a vraiment le toucher de Peugeot. Mais il faut quand même bien noter que on a quand même les 500 kg de plus et que ça se ressent au volant. Donc même si on a le toucher, le feeling Peugeot, on a des kilos en plus et donc c'est moins agréable qu'une thermique d'ancienne génération. Mais ça reste peut-être la référence du segment. Ceci dit, il faut tempérer ce point positif par les sensations au volant, quoi, disons la puissance, parce que donc on est sur un véhicule de 210 chevaux, ce qui était plutôt en plein dans la moyenne, c'est-à-dire que les concurrents comme l'ID4 ou le Skoda Enyaq disposaient de 204 chevaux, sauf que eux ont été mis à jour là pour 2024 avec un moteur de 286 chevaux. Et les performances sont clairement maintenant du côté du groupe Volkswagen. Hein. La voiture est lourde. On a 210 chevaux, c'est bien, c'est amplement suffisant. Sauf que les autres font aujourd'hui mieux. La mise à jour qui a été vraiment effectuée sur le groupe Volkswagen donne beaucoup plus de réactivité. Ça se sent sur le 0 à 100 hein, où la Peugeot doit rendre entre 1 seconde et demie et 2 secondes par rapport donc, au produit Volkswagen. Ce qui est énorme. Mais ceci dit, hein, encore une fois, pour la vie de tous les jours, c'est amplement suffisant. Pour l'autoroute, c'est amplement suffisant. Et elle a un autre atout, c'est que c'est certainement aussi la plus silencieuse du segment. On a été avec Julien extrêmement bluffé par vraiment le confort acoustique de l'auto qui est vraiment parfait. On peut aller jusqu'à là. Vraiment, c'est très difficile d'aller chercher mieux. Donc, voici l'ensemble des compétences techniques. J'allais oublier, au niveau consommation. Malheureusement, là j'ai eu une conduite plutôt donc, sportive pour vraiment avoir les tenants et les aboutissants de ce châssis. Donc sur route de montagne, on est monté à 25, je ne suis pas sûr que Monsieur Tout le Monde fasse ça. En ville par contre, on a tourné entre 18 et 19 hier soir, donc ça on peut le savoir, c'est vraiment un chiffre qu'on peut vous donner. Et on a fait un peu d'autoroute à 110, on était entre 18 et 22.
Donc ce sont des chiffres qu'il va falloir confirmer un peu plus tard lors d'un essai, même peut-être d'un comparatif justement avec un produit comme l'Enyaq Coupé, qui est vraiment son concurrent premier. Allez, je vous donne rendez-vous pour une conclusion. Bon, il est enfin temps de conclure ce premier essai avec cette 3008, plus précisément la i3008. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est vraiment qu'elle a un look disruptif, c'est le moins qu'on puisse dire. On aime ou on n'aime pas, c'est surtout dû à cette face avant très particulière. Moi, petit à petit, je m'y habitue. Mais par contre, ça c'est vraiment pour moi la partie la plus réussie. C'est pour ça qu'on a choisi de prendre cet angle de 3/4 là, c'est vraiment vraiment très joli. Mais alors là par contre, là où il n'y a aucun doute, c'est dès qu'on rentre à l'intérieur, on est vraiment dans l'un des plus bels habitacles qui puisse exister sur les segments, c'est le plus bel habitacle. Les prestations dynamiques, ça reste du Peugeot, donc c'est plutôt bien maintenu, c'est confortable, c'est sportif, tout en sachant que les 210 chevaux sont pas non plus fulgurants du fait de la masse des tonnes, 2,1 tonnes de l'engin. Donc c'est plutôt suffisant pour tous les jours évidemment, mais c'est pas aussi dynamique qu'on aurait espéré. Donc là-dessus, il faudrait attendre la version 4 motrices avec 320 chevaux, je pense, pour avoir un peu plus d'émotion en la conduisant. L'autre chose à savoir, c'est qu'au niveau des prestations, on est vraiment, vraiment très très bien. Il y a tout ce qui est infodivertissement, sécurité, c'est plutôt pas mal. L'autre chose qui est importante, parce qu'on n'a pas parlé, c'est la recharge. On est sur une batterie de 400 volts. De série, on est sur du 11 kW en courant alternatif. Sachez qu'il y a une option à 22 qui est pour moi très très importante, puisque vous avez des bornes 22 un peu partout dans les villages. Donc si vous voulez charger plus vite, c'est vraiment un atout majeur. Et sur autoroute, donc sur les prises superchargeur ultra rapide, elle est capable d'encaisser jusqu'à 160 kW et Peugeot annonce 30 minutes pour passer de 20 à 80, ce qui la place dans la moyenne. Donc ça veut dire qu'on aurait une moyenne à peu près de 120-130 kW pour une recharge sur courant continu. Autre chose à savoir, c'est une voiture française, donc elle a le droit au bonus. Donc c'est 4000 euros de moins pour l'année 2024, tout en sachant que les prix sont en dessous de 47 000 en version GT comme la nôtre, donc ce qui la ramène à peu près à 43. Et la version Allure, qui est à peine moins bien équipée, à peine moins bien finie, vraiment, vraiment à vaut le coup celle-ci. Donc ça va la ramener aux alentours de 40-41 000 euros. Donc, mine de rien, avec cette 3008 électrique, Peugeot s'attaque directement à la Tesla Model Y, qui elle n'a pas le droit au bonus, donc elle serait même moins chère, tout en sachant que vous avez un vrai intérieur, vous avez un vrai confort, vous avez un vrai système d'infodivertissement, vous avez des vraies prestations dynamiques d'un vrai constructeur, tout est bien fini, il n'y a pas de problème d'assemblage. Voilà, peut-être le meilleur exemplaire de Peugeot sur cette année 2024. Donc moi je vous dis, pour avoir plus d'informations, je vous donne rendez-vous donc sur la revue automobile. Vous aurez les photos de Julien, vous aurez les fiches techniques et vous aurez un texte un peu plus complet sur toutes les prestations. Allez, ciao !